Beste vriendinnen en vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste wakkerleeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Pour nos amis francophones, je fais ce petit vidéo pour vous laisser voir en fait qu'il y a aussi Nasser Al-Hilal qui met les cartes, qui regarde les cartes en fait sur la situation pour le moment mondialement. Pour le reste, moi, je vais parler en néerlandais pour mes amis néerlandophones, mais la vidéo est totalement en français. Voilà, vrienden, we gaan verder nu in het Nederlands. Ik had even tegen onze vrienden francophonen gezegd wat er aan de hand is. Ook uiteraard voor jullie Frans die Nederlands sprekenden die Frans verstaan, is het ook zeer interessant. Het is dus Nasser Al-Hilal, iemand die in Frankrijk woont en die in feite de kaarten legt. En die nu terug eentje legt op de situatie op dit moment in de wereld. Ze is ook een zeer, zeer, zeer wakkere dame op zich. Een beetje like Tarot by Janine en Ilona. Vandaar dat ik ook graag haar volg. Niet al haar filmpjes, maar vooral degene als ze kijkt naar de situatie in de wereld. Haar manier van praten is ook zeer positief, is humoristisch. Dus in feite, als je het begrijpt als Nederlandstalige, is het wel interessant om te volgen. Ik ga hier en daar een kleine opmerking geven in het Nederlands, maar niet zo heel veel. Voilà, we gaan het scherm delen. Voilà, hier is ze en we gaan ermee starten, mensen. Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous, un petit tirage de cartes, ça faisait longtemps que j'avais rien fait, tant que j'avais rien fait, je veux pas dire que j'ai rien fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage pour vous par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai un invité surpris? Vandaag gaat ze dus inderdaad de kaarten leggen, Sefus. Je gaat zien, het is ook een beetje speciaal zoals ze ze legt. Hey. Dus kijk welke kaarten die eruit springen, hey, die zich eigenlijk willen tonen, die iets willen zeggen in feite, op haar vragen die ze stelt. Dus het gaat dus inderdaad over de situatie in de wereld op dit moment. Alors, je devais faire une vidéo avec Aïssa Mbala ce matin. Pour vous, hein, on devait faire une vidéo et on est resté à papoter. On a dû mettre, je m'en ai mis 2 heures, je ne me rappelle même pas. Et c'est vrai que du coup, on a pu faire la vidéo. Je le remercie parce qu'il m'a aidé à synchroniser ma chaîne YouTube avec ma chaîne Grand Bunker, et je vais voir pour même rajouter ma chaîne Vega, comme ça je vais bientôt pouvoir vous faire des lives, ça va être sympa. Alors par contre ce ne sera pas des lives pour faire des tirages personnels par rapport à vos vies personnelles et tout, je ne sais pas, on verra, il y aura des thèmes, je ne sais pas, peut-être même des invités en live, mais voilà, je remercie Aïssam avec qui on a pris le temps de créer ça et je suis contente. Donc, pourquoi mon invité, c'est lui, du coup, je vais vous expliquer. Bah, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, c'est tout simplement, on essaie de nous éloigner de notre part divine. On essaie de nous... In feite zegt ze, alles wat ze eigenlijk aan het doen zijn, de kabal, de zwarte krachten, is altijd om ons eigenlijk uit onze kracht weg te duwen. Nee? Dus ze hebben ons al eeuwen en duizenden jaren in slavernij gehouden. Een van de manieren dat ze dat doen, is ons laten werken zoals slaven, nee? Ons duwen in een systeem. Nee? Dat we werken, 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 dat we geen tijd meer hebben voor onze kinderen, geen tijd meer hebben voor ons leven, geen tijd meer hebben voor niemendal. Nee? Zodanig dat we inderdaad niet kunnen... in onszelf keren en werkelijk onze krachten voelen. Hé. Ook natuurlijk met het hypnosebakje, tv, radio, tijdschriftjes, kranten enzovoort. Hé. Maar dat ze niet anders dan leugens verkopen, ook daar brengen ze ons volledig uit onze kracht. Ook natuurlijk met onze voeding, water, alles die slecht is, hé, dat ze ons volledig altijd maar afblokken. Ook ons derde oog met fluoride in water en in tandpasta en in andere zaken. Hé. En zo verder mensen. Hé. Dus maar we gaan verder luisteren naar Nasera. Insignifiant, qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, de capacité, de créativité, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avec l'école, avec
avec ce mode de fonctionnement dans cette 3D, on fait tout pour nous éloigner de notre vraie part divine, de notre vrai potentiel surtout. Et puis dans l'histoire de ce petit bonhomme, de ce petit enfant, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle, je crois que c'est Grogu, un truc comme ça. Hein? Ouais. Même lui, il est content de me voir. Donc, je crois que c'est Grogu, mais on l'appelle l'enfant. Hein. Eh bien, dans l'histoire, c'est quoi dans mes souvenirs, hein, parce qu'à un moment, je dis plus moi, des fois, dès le lendemain, je ne me rappelle plus. C'est cet enfant, il est découvert par une personne à qui on dit que c'est un enfant qui a des pouvoirs, qui a... voilà, donc au début, même l'enfant fait des petites bricoles comme ça, sans trop savoir, il va à tâtons. Donc, on va dire que là, dans son enfance à lui, il fait des petites bricoles sans savoir d'où ça vient, mais c'est comme ça, c'est en lui, il utilise certaines de ses capacités. Sauf que les épisodes passent et il découvre, on lui apprend qu'il est capable d'avoir des pouvoirs, qu'il a des pouvoirs illimités. Dus het is, je zou zeggen, waarom laat je nu dat eerste stukje, dat verhaaltje, waarom laat je dat open? Waarom mensen, ik gebruik dat in feite om duidelijk te maken, te zeggen, ze gebruikt dat eigenlijk, dat verhaaltje, om aan te duiden, datzelfde zoals wij mensen, we zitten al eeuwen, duizenden jaren in slavernij, we weten niet van onze krachten af, hé? Maar in feite hebben we ongelooflijke krachten, maar we moeten ze terugvinden. En daardoor moeten we natuurlijk afgaan van die kabal en al die zaken die ons limiteren. En zij gebruikt in dat manneke daar, dat ik zelfs niet ken, maar goed, om te zeggen, hij wordt op een bepaald moment gegeven aan iemand en zegt, ja, die heeft krachten, maar op een bepaald moment komt hij tot de constatatie dat hij eigenlijk ongelimiteerde krachten heeft. En ik denk dat dat juist is voor ons als mensen. Ik denk dat we echt gaan ondervinden dat we heel iets anders zijn dan dat ze ons eigenlijk eeuwen en duizenden jaren wijsgemaakt hebben. Eh bien, c'est exactement ça. Vous faites peur, on fait peur à l'état profond. La kabbale, vous les appelez comme vous voulez, à l'ombre, comme dans le film. Et donc, en vrai, bah, vous devez comprendre, je vais le mettre de côté, hein, parce qu'il veut écouter, il veut être avec nous. Ah, tu tombes pas, hein. Si, il tombe. Non, ça va, c'est bon. Tu ne touches pas les touches. Parce que si tu touches les touches, il va tout bouger, il va tout... il y a eu un flash, c'est sympa. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un peu comme si vous étiez des Jedi en puissance. Hein, moi, je dis tout le temps, surtout ceux qui me suivent, si vous êtes là, si vous êtes sur ma chaîne, notre chaîne d'amour, parce qu'une fois, il y a une dame, je crois que c'est une dame qui m'a dit « Tu ne devrais plus dire chaîne, parce que je la comprends quelque part, parce que ça fait remonter... » Je hebt altijd mensen die overdrijven, die altijd maar zijn te chicaneren en hier en daar vinden ze altijd iets negatiefs. Ja, dat zijn ook niet de mensen die wachten op onze... Dat wachten wel en die luisteren naar onze filmpjes, want dat zijn ja, de trolls in feite, ja, hebben we niet nodig. Maar hier ook in feite dat is ook iemand die zei, ja, maar ja, shiny, keten, zo, dat beter niet gebruiken, want dat heeft een aanloop met de slavernij en bla bla bla. Maar zij zegt, ja, je hebt ook de ketens van de liefde natuurlijk. Dans la mémoire, les chaînes d'esclaves. Bah, moi, j'ai envie de voir une chaîne humaine, une chaîne d'amour, un peu comme si tout le monde se donnait la main et qu'on crée une chaîne autour de la planète. Et comme vous êtes très nombreux à être un peu partout dans le monde, et bah, on crée notre chaîne à nous. Donc, vous, moi, on leur fait peur. Ils ne veulent pas que nous découvrions notre vrai potentiel, nos vraies capacités. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment, c'est que parmi vous, vous êtes hyper nombreux à avoir des capacités déjà développées et vous devez les utiliser, vous devez les montrer, vous devez les offrir. Enfin, quand je dis les offrir, on se comprend. Hein. Au début, il y en a pour apprendre, ils vont faire gratuitement le temps de bien comprendre et tout ça. Et ensuite, bah, chacun dans son domaine, parce qu'il y en a qui vont utiliser. Oh, dis donc, c'est Yvan et un papillon. Un, deux papillons. Waouh! Waouh, je suis gâtée. Merci. Je reviens ici. Mais c'est vrai, calme-toi. Qu'est-ce que je disais? Ceux qui. Voilà, parce que vous pouvez avoir des capacités que vous utilisez dans des domaines différents. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tout ce qui se passe en ce moment, c'était pour nous détruire, pour nous éliminer, pour atténuer notre puissance. C'est fait contre nous. Et alles wat ze doen, de cabal, is echt letterlijk om ons te uitroeien, om ons te elimineren.
Hey, we weten dat met de Georgia Guidestones hey, in Georgia, hey, die grote stenen, ik heb het al in verschillende filmpjes gezegd, maar dat het eerste lijntje erop staat, in feite de beperking van de populatie op de aarde tot 500 miljoen. Dus mensen, dat is het einddoel van hun. Hey, ze zullen uiteraard niet slagen, want dat weten we ondertussen al. Ze zijn volop aan het verliezen of eigenlijk in essentie zijn ze al verloren, maar moet die nog, laten we zeggen, gematerialiseerd worden op onze aarde. Maar het is volop aan het materialiseren in feite. Hey, maar het komt erop neer dat, ja, dat ze eigenlijk echt schrik hebben van ons. En dat ze daardoor eigenlijk onze krachten eigenlijk hebben moeten op allerlei manieren eigenlijk, ja, inknippen. Totdat we eigenlijk ja, kleine robotjes waren in feite. Hey. C'est tout ça. Et en plus de ça, bah, avec les médias mainstream et tout le tralala, ils font tout pour baisser aussi notre taux vibratoire parce qu'ils savent que quand notre taux vibratoire est élevé, donc on est plus heureux et on est plus dans la joie, le bonheur, la créativité, l'envie. Ja, dat is perfect wat ze zegt. Ze willen ons eigenlijk altijd in angst duwen. Onze emoties willen ze constant angst. Dat is vandaar dat ze ook eten natuurlijk, die demonen. Hey, dus die energie hebben ze nodig, die negatieve energie van ons. Hey, dat is wat angst hebben. Hey. Angst, hey. Dus allerlei, laat ik zeggen, minder positieve emoties. Dat hebben ze nodig. Dus als wij uiteraard dan in de positieve emoties gaan, dat we blij zijn, en vreugde, en liefde, en elkaar huggen, en met elkaar omgaan, en eentje drinken samen, en op het terras zitten, en oh lala, fantastisch. Ja, dat hebben ze natuurlijk niet graag, dat is niet hetgene dat ze willen. Dus daarvoor ook, we moeten werken totdat we krom zitten, en nog een neus, en nog een neus, en nog een wat rekening, en nog wat geld op de dingen, en zo verder. Hé. Zodanig dat we eigenlijk nooit in onze eigen kracht konden komen. D'échanger avec les autres, d'être en contact avec les autres. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous êtes attaqué de nouvelles qui sont vraiment, voilà, ça vous rend dingue, on l'a bien compris. Donc, c'est pour ça que j'arrête de partager, parce que moi, je partage des informations pour dire, voyez, ça, on s'abouche, voyez, nanana. Et là, beaucoup, vous partez dans, on va insulter un tel, on va. Non. Chaque chose a une raison d'être. Eux, ils sont là pour nous réveiller, ils sont là pour nous stimuler, pour qu'on n'ait plus. Pour qu'on n'ait plus envie de se laisser faire, envie ou pas envie, parce qu'on ne s'en rend pas compte des fois. Mais là, maintenant, il faut qu'on se bouge. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas poser de questions à nos amis là-haut. Je vais juste prendre quelques jeux de cartes. Je vais leur demander qu'ils nous donnent à peu près. Alors, encore une fois, je peux. Pas prêtez mon assiette, je vais prêter les différentes sortes de cartes. Dus het is wel prettig en er zitten daar hele mooie tussen ook, een hele speciale. Dus dat is ook wel anders dan wat dat, de andere Ilona en Tarot by Janine eigenlijk gebruiken. Ik ga niet Canada, België, Suisse, dat is possible. Ik ga niet, want ik doe 50 video's. En ik vous l'ai déjà dit, maintenant je m'occupe des gamines à la maison, j'ai été scolarisée. Donc je peux vous dire que je m'éclate le matin, c'est les cours, après les repas, après les distances coaching que je fais maintenant. Et je remercie à ceux qui me font confiance. Voilà, c'est super intéressant. Même moi, je passe des bons moments avec ces personnes. Donc moi, je peux vous dire qu'il y en a, il y en a du bon monde. Voilà, il y en a du bon monde. Il y a beaucoup de belles lumières, il y a beaucoup de Jedi de par le monde. Vous êtes très nombreux, les Jedi de... les Jedi des temps modernes, voilà. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez profiter en live, parce que c'est 7 minutes que je papote, vous puissiez profiter en live de ce tirage. Donc, on les laisse nous donner les informations, donc on va dire un peu global. Je vous montre au fur et à mesure les cartes, et puis on y va. À tout de suite, mes amis. Si vous entendez du bruit, c'est normal, les cacahuètes, elles sont là. Vous êtes venu à l'école, de toute façon, les samedis. Hop, voilà, là, normalement, vous aurez une belle vue. Et voilà, je pense que là, vous verrez tout. Donc, je vais commencer par... commencer par celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Game of Thrones. Ah oui, en ce moment, on est bien dans un jeu de guerre de pouvoir, en sorte que nous, maintenant, c'est nous qui pouvons retrouver notre pouvoir à nous, notre souveraineté, notre liberté. La première carte dans ce bruit est Game of Thrones, tarot carte. En ja, klopt een beetje, het is daar ook natuurlijk een strijd die volop bezig was in die serie. En dus ja, we zitten ook natuurlijk volop in een strijd van donker tegen, van kwaad tegen licht, in feite. En donc, les traîtres. Voilà, première carte en dos de deck. Ja. Merci pour nos amis de l'invisible.
Donc, essayez maintenant, s'il vous plaît, qu'avez-vous comme information à nous donner par rapport à ce qui se passe dans le monde pour nous? Het eerste vraag dat ze stelt, wat heb je ons te vertellen, Kaarten, over de toestand in de wereld op dit moment? Effort, labeur, discipline. Donc on a encore quelques efforts à apporter. Tenez bon, on est... Pour beaucoup, on voit qu'il y a des groupes qui sont épuisés, qui s'en peuvent plus. Hein. Et je comprends, hein, c'est légitime. Est-ce qu'on nous parle aussi de ceux qui ont reçu la soupe? Mais là, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui garde quand même l'espoir, il garde cet espoir, il garde la main ouverte. Het is zoals we altijd zeggen, hou vol. We zijn er bijna mensen. Hou vol, hou de lijn. Hou je grens mooi in stand. We zijn er bijna, maar wat ze zegt, je ziet dat duidelijk aan die mens hier. Of dat hij het heel, heel moeilijk heeft. En eigenlijk depressief rondloopt. En dus dat is ook een beetje onze situatie nu. Dat we niet goed weten. Maar hou vol mensen, het is aan het komen heel snel nu. Recevoir, et là on vous dit vraiment tenez bon, 7 c'est quand même un beau chiffre au niveau vibratoire, au niveau spirituel, donc gardons l'espoir. S'il vous plaît. Ça se fait. Donc, donc je vous disais, hein, vraiment. Ils savent ce que nous avons, ils connaissent notre potentiel. Nous sommes nombreux à avoir des dons de prémonition, des dons de clairvoyance, voilà. Et eux, les monstres, on les voit, hein, il y a vraiment une tête de crapule, ils veulent vraiment qu'on s'éloigne de cette part divine que nous avons. Ils sont là pour nous exterminer, ils sont là pour nous zigouiller à leur manière. Sauf que, non, parce qu'en ce moment, déjà qu'il y en avait beaucoup qui étaient éveillés, qui recevaient des informations du monde de l'invisible, et bien en ce moment, il y en a de plus en plus. Donc c'est comme s'il y avait le bien et le mal. On est en plein dedans. Hein. J'adore, je ne sais même plus comment ils disent dans Star Wars. Duidelijk, ça c'est une carte. Nee, dus wij, in feite, met, als je ziet, hé, dus met de kennis en de ja, helderziendheid, helderhorendheid enzovoort, maar ook met onze intuïtie meer en meer verbonden terug. We gaan in feite onze krachten herontdekken en dan hier ja, de mooi geklede, afgelekte toestanden met een krapule gezichtje, zegt ze, die ons eigenlijk al eeuwenlang en duizenden jaren in slavernij houden. L'ombre et le côté sombre, le côté obscur de la force, un truc comme ça, ouais, peut-être comme ça. Donc voilà. Le bien, le mal, on est en plein dans la lutte en ce moment, du bien et du mal, on est en plein dedans. Donc oui, c'est dur, mais tenez bon, franchement, par rapport à ce qu'il y avait, des années, énormément de souffrance et tout, la chance qu'on a nous, c'est qu'on est réveillé, on se rend compte de ce qui se passe, et la malchance qu'ils ont eux, c'est qu'ils peuvent plus se cacher, bon, en même temps c'est fait exprès, hein, parce que comme on a notre libre arbitre... Dat is duidelijk, het is heel moeilijk op dit moment, maar alles komt naar boven. We zien dus de ratten naar boven komen, zodanig dat ze later kunnen allemaal opgepakt worden en opgesloten worden in feite, of nog verder. Dat ze zien wat de rechters dan beslissen later in de militaire tribunalen. Maar het komt erop neer, alles wordt nu zichtbaar, want ze denken dat ze gewonnen hebben, dus alles komt naar boven. En dan kunnen we ze ja, later inderdaad dan laten berechten. Décide de quel chemin on va prendre, quelle voie on va prendre. Donc, il fallait qu'ils nous montrent leur vrai visage pour que nous puissions choisir entre les deux chemins. Et là, on vous demande de faire encore quelques efforts parce que ça s'en vient. Il fallait exterminer ce qui est là depuis des siècles. Ça demande beaucoup. We moeten uitroeien wat dat er al duizenden jaren is en dat... Ja, we zijn nog maar een jaar en al verder mensen, dus ja, dat is natuurlijk heel lastig. Maar ja, als je echt wilt een hele nieuwe mooie wereld creëren, dan ja, moeten we natuurlijk ook bereid zijn om wat geduld te hebben. Zodat ze dat effectief de tijd hebben om alles uit te roeien en uit te trekken tot op het bod. Voor le monde, pour le, notre monde à nous, ici sur Terre, mais pour le monde de l'invisible, eux, c'est rien. Ils se battent pour nous, ils avancent pour nous. Donc, là, on a le partage dans charité. Et c'est vrai qu'en ce moment,
On est nombreux, on a ceux qui guettent pour nous, on a des lanceurs d'alerte, on a ceux qui nous protègent à leur manière. Alors, je vais commencer à faire comme Cyril, vous savez, Cyril P sur sa chaîne YouTube, il a raison, il ne donne pas de nom. Parce que des fois, j'ai donné des noms, moi, alors que moi, honnêtement, des fois, j'écoutais des trucs et je répétais bêtement, hein, bah, comme quoi, vous voyez, on est tous dans. Voilà. Et ben, moi, à partir de maintenant, je vais essayer de ne pas donner de nom. Parce que c'est vrai que dans chaque pays, chaque gouvernement, chaque histoire, on ne vit pas à peu près. Voilà, vous avez compris. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Donc, pour nous, ils sont là. On a nous qui sommes maintenant prêts à combattre pour nous-mêmes. Beste overal zijn er dus in elk land. En dat wordt ook bevestigd in heel veel andere dingen. Dat wordt niet altijd met de kaart natuurlijk, maar op heel andere manieren. Met mensen die de feiten volledig onderzoeken. Dat er eigenlijk overal schaduwoverheden aanwezig zijn. Die einde inderdaad achter de schermen komen. Ja, echt volgen wat er gebeurt. En ja, zodanig dat ze alles kunnen detecteren, registreren. Er wordt ook verwacht dat de militairen daar overal mee bezig zijn, ook om alles te registreren. Iedereen die misdaad doet tegen de mensheid en zo, dat het allemaal geregistreerd wordt, zodanig dat ze naderhand allemaal kunnen opgepakt worden. Mais là, c'est vraiment une histoire de. Cette carte-là, elle dit partage, don, charité, on est en plein dedans. On est en train de s'entraider, on est en train de se battre ensemble. C'est vraiment, vous voyez, celui-là, il tend la main vers une autre personne. Maintenant, c'est on fait tout ensemble, on devient solidaire, on va se battre ensemble. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Het is belangrijk dat we inderdaad heel empathisch worden naar elkaar toe, compassieus, elkaar helpen, heel anders dan voordien. Niet iedereen in zijn huisje, maar elkaar helpen, naar elkaar toekomen, verbinden met elkaar. Laten we zeggen, regionaal ook bepaalde, laten we zeggen, groepjes creëren die elkaar serieus ondersteunen. Dat soort zaken moet allemaal komen in de komende maanden, mensen. Avec cette corona circus, là, cette maladie, ah, soi-disant, eh bien, au contraire, ils ont fait l'effet inverse. Et c'est pour ça, à mon avis, que tout ça est là. C'est l'effet inverse qui est en train de se passer. Donc, tenez bon. C'est mieux à l'endroit. Tenez bon. On va voir ce qu'ils nous donnent de là, s'il vous plaît. Ici, maintenant. Encore un qui saute. Ah ben voilà. Nouvel amour, retrouvaille. Vous voyez, on va y arriver. Vous voyez comment c'est festif? Tenez bon, tenez bon. C'est vraiment une histoire de. Pour moi, c'est une histoire de quelques mois maintenant. Vraiment, tenez bon, mes amis. Je zegt, voor mij is het nog een kwestie van enkele maanden. Dat wordt ook op heel veel niveaus, op heel veel werelddelen ook gedeeld in feite, op heel andere verschillende niveaus, dat het inderdaad imminent is. De culminatie is aan het komen, alles is komen. Ik heb het ook in andere filmpjes al uitgelegd, de drie lijnen die ik zie samenkomen. De oversterfte aan de ene kant, aan de andere kant de audits in Amerika en aan de andere, dus dat alles fraude zal zijn. En aan de andere kant natuurlijk het financiële systeem die enorm onder druk zal komen staan met een beurscrash wellicht in oktober. En dus al die zaken gaan samenkomen en gaat in feite wellicht het begin zijn van de ontploffing of de ontploffing die dan de start is van het domino-effect van de. Ja, van noemen ze het ook de sneeuwbaleffect enzovoort. D'ailleurs, c'est fleuri là. Est-ce que c'est printemps prochain? C'est vrai, dans beaucoup de tirages, j'ai eu l'hiver, cet hiver, cet automne, on allait vivre le plus difficile. Cet hiver, ça devait se terminer pour que le printemps prochain puisse faire la fête. Alors, vous voyez là, ces feuillages, est-ce qu'ils veulent nous donner des indices pour nous dire. Tenez bon, ce printemps, vous pourrez faire la fête. Vous allez gagner la coupe, la joie, le bonheur. Faites des moments festifs. We gaan winnen, we gaan mensen. We gaan sowieso winnen. S'il vous plaît. Is het positief? Alleen moeten we geduld hebben. Merci, Robert. Ce qu'a pu la nuit encore à travers ce jeu. Hop là. C'est vrai que nous allons nous retourner vers la spiritualité, nous retourner vers l'intérieur pour ne plus nous laisser accaparer par l'extérieur. Pour beaucoup, ce qui se passe en ce moment nous rapproche de notre part divine. Exactement, je vous dis ce qu'ils ne voulaient pas.
Dus inderdaad zo, hé, door natuurlijk de lockdowns van corona en zo hebben heel veel andere mensen weer op een heel andere manier kunnen omgaan, ook met hun familie, weer dichter komen bij elkaar, veel meer tijd hebben voor elkaar, dichter komen terug bij je intuïtie, bij je interne feiten, hé, dus weer alweer echt voelen, hé, ook spiritueel weer op een heel andere manier omgaan met jezelf. Dus ja, er zijn heel wat zaken aan het wijzigen door het feit van ook die coronacrisis is er heel, heel veel aan het gebeuren. Ils ont fait l'inverse. Donc, maintenant, on voit bien, regardez comment ce sont les femmes, trois femmes. Donc, ceux qui connaissent la série, vous savez ce que ça veut dire. Et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire que ces trois femmes, alors, ce sont des énergies, des femmes fortes. C'est des femmes qui ont décidé de prendre leur vie en main, leur destinée en main. Et elles ont bavé. Ce sont des femmes qui ont souffert. Ce sont des femmes qu'on a même piétinées pour certaines. Mais elles se sont relevées plus fort et elles ont décidé que personne, personne ne les empêchera de faire ce qu'elles veulent faire. Pour certaines, ce sera une maman protéger son enfant. Pour certaines, ça va être de décider de retrouver sa souveraineté, d'aider les autres. Vous voyez l'armure. Pour certaines, c'est avec l'énergie masculine, peut-être les armées, peut-être les groupes qui vont ensemble dans la solidarité s'entraider. Vous voyez, je vous dis, ils sont prêts avec leurs boucliers. Ils attendent de pied ferme de se mettre à l'œuvre pour protéger leur vie, leur souveraineté, leurs enfants. Les énergies féminines en ce moment, ça va bouger. Je ne peux pas vous dire maman, armée, la France, ou les. Je ne sais pas, la France, je ne devrais peut-être pas dire ça, parce que je dis que je parlais pour tout le monde. Mais là, tous les peuples du monde, pour moi, les énergies féminines, à cause de ce qui se passe en ce moment, à cause de la soupe pour les enfants, ça va faire bouger les choses. Waar we uit duizenden jaren, vooral mannelijke energie, wil niet altijd zeggen voor de mensen die dat niet zouden begrijpen, dat het over mannen gaat. Vrouwen hebben uiteraard ook mannelijke energie, meer of min. Mannen hebben meer of min vrouwelijke energie. Maar we gaan nu naar een tijdperk in feite, we zijn er volop in de transitie ernaartoe, dat er eigenlijk veel meer vrouwelijke energie terug in de maatschappij zal komen. En dat is uiteraard een zeer goede zaak. We gaan heel anders omgaan met elkaar dan met al die mannelijke energie. Chose. Et j'avais les deux là. Là, c'est terminé. On a décidé de. Regardez. Là, il saute sur nous. Lui, là, il saute sur nous. Il est prêt à nous zigouiller. Mais le peuple a décidé de ne plus se laisser faire. C'est terminé. Vous avez compris que tout viendra de vous. Retourner vers votre spiritualité, de vous donner la priorité, de vous positionner, de dire non à ces gouvernements et de protéger vous-même vos enfants parce que vous comprenez que ce n'est plus eux qui allaient vous aider, qu'ils vous ont menti, gouvernement. Het is duidelijk, zegt ze, dat het uiteraard, de wakkere mensen hebben al lang begrepen dat het niet onze overheden zijn die gaan zorgen voor ons. Absoluut niet zelfs. Die duwen ons constant in slavernij en houden ons daar. Maar we moeten soeverein worden, vrije mensen die in feite voor zichzelf zorgen, dus vooral voor onze kinderen zorgen. En die in feite daar alles voor zouden doen om terug die nieuwe wereld te creëren. Certaines énergies, parce que tous nous sommes missionnés d'une manière différente à faire avancer les choses, là maintenant, cette crapule, c'est fini pour elle. Le peuple se lève, le peuple ne veut plus se laisser faire. C'est terminé. Merci à ce jeu de cartes. J'en prendrai un autre. Ja, de andere eentje nemen nog. Dat is ook prettig aan de nasseren. Regardez, la Parce roue tourne, que, ça voilà. y est. C'est vraiment décidé, la roue tourne. Well, of the few, the fortune, Wheel of Fortune, ja. vous me traduirez, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais là, la roue tourne, ça y est, c'est bon. Avec la colombe, Ja. la paix arrive, mes frères. Et le soleil derrière, regardez les rayons du soleil. C'est fini pour eux, c'est terminé.
Alors, je prendrai après. Et là, maintenant, je vais prendre le zombie tarot. Alors, ah bah, la fuite. Obama et sa madame, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème pour vous? Regardez, il y a des autres problèmes pour Obama. Les gars qui sont fermés, ils commencent à remonter à la surface. Je crois qu'ils sont tranquilles. Regardez, il y a les armées, hein, la madame. La madame Michel. Enfin, il y en a qui disent que c'est monsieur Michel. Monsieur Michel. Pourquoi pas? Après tout, nous sommes Big Mike. Alors, pourquoi pas sur ça? Mais là, pour moi, il y a des cadavres, comme on dit, il y a des squelettes dans le placard. Il y a des choses qui remontent. Il y a des choses qui remontent. Alors, ja, dan mag je zeker zijn, we noemen dat Obamagate, de Clintongate, de zijn heel veel, ja, in Amerika noemen ze dat altijd gates, dus dat zijn eigenlijk schandalen, gigantische schandalen, dus de Obamagate en Clintongate, dat zijn dus ook natuurlijk Hunter Biden, de Biden mafia, supermafia familie, dat gaat allemaal bovenkomen, mensen, kan je garanderen je dat, dus de niet wakkeren gaan dus het verschot van hun leven opdoen. Et à travers ce jeu, qu'avez-vous d'autre à nous donner comme information par rapport à ce que nous traversons en ce moment? Nos amis de la lumière, nos amis de l'invisible, dites-nous ce qui nous attend, qui sont bien pour nous. Quelle phase on en est là? Les amis. Vous entendez, mes filles, elles sont heureuses. S'inquiète pas, elles vivent leur vie au jour le jour. Elles vont pas se dire, oh là là, demain, après-demain, il y a ci, il y a ça. C'est ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, bah alors, ça se trompe, le même qui se met de travers. Non, il y en a plusieurs. Alors, ah bah voilà. Jugement. J'espère que ça va vous rassurer. Voyez comment elle. Le boom. Ça, votre avis. Le boom, merci. Les Rockefeller et les patati et les patatas. Ah, c'est eux hein, qui ont des têtes de zombies, vous voyez. Hein. Ja, je vois ça comme le côté diabolique. Je dis que c'est grappig, mais je trouve que c'est personnellement très grappig, hein, Sarah. Dat ze dus inderdaad de kopjes hier, hier ziet. Maar als je inderdaad, je hebt ze niet veel op foto of op video, maar als je de Rothschild of Rockefeller of zo ziet in foto of zo, dat zijn dus echt letterlijk allee, lelijke, hele lelijke fysieke mensen en die eruit zien als zombies, letterlijk. C'est terminé, le jugement arrive. C'est la fin pour eux. Ah bah oui, bah complément. C'est le jeu, ma pauvre Bichette. Hein. Donc, regardez. Là, on essaye encore de nous manipuler. Donc, ces zombies, hein, c'est eux, là, hein, c'est ceux-là. Ils essayent de nous manipuler, ils essayent de nous faire croire qu'ils font des choses pour nous. Mais regardez, pendant que vous vous laissez séduire, pour certains, hein, je suis désolée pour vous, hein, pour ceux qui se laissent avoir, regardez comment on vous arrache le cœur. Donc, ils vous font croire qu'ils prennent soin de vous, que ce qu'on fait, c'est pour votre intérêt, pour votre protection. Mais pour beaucoup, ben non. Hein? Ja, wat hier in feite zegt ze, ze laten ons altijd, als hevende bleek, dat ze zogezegd voor ons zorgen. En alles wat ze doen, zogezegd, als altijd draaien, dat het in ons voordeel is. Maar het is altijd aan de andere kant van de medaille, mensen. Het is nooit in ons voordeel. Nooit. En dan zie je natuurlijk de anderen daar, hier de fool. Dat zijn dus de normies, de niet-wakkere mensen in feite, die het altijd niet begrepen hebben, die zich laten misleiden door heel die situatie. C'est un cimetière. Donc, dites-vous que pour certains, réveillez-vous. On vous fait croire qu'on prend soin de vous. On vous fait croire qu'on vous materne, qu'on vous paterne. Le gouvernement fait croire que c'est pour vous tout ce qui se passe en ce moment. On s'inquiète pour vous. Parce que moi, j'entends encore des gens qui disent « Ouais, mais mettez-vous à leur place. C'est compliqué ce qui se passe, cette histoire de Corona Circus. C'est quelque chose de complètement nouveau. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment gérer les choses. » Allô, ce sont des crapules qui vous arrachent le cœur et qui vous emmènent droit à l'amour. Ok? Donc le jugement est là pour eux. C'est la fin de la partie. Ja, voor de cabal is gedaan. Maar ze weten waarschijnlijk wel zelf ook. Maar ze gaan blijven weg tot de laatste snackie. Donc lui, il est prêt à aller faire son petit pique-nique, hein, ils sont heureux. Hein.
voyez, hein, ce sont les hommes d'affaires, leurs cravates et tout ça. Eux sont heureux, ils viennent nous, ils vont faire croire, vous voyez, bah, tiens, en plus, c'est toujours le 11 septembre. On va vous faire croire qu'on vient pour, voyez, pour les morts. Oh là là, on est désolé pour vous, mais regardez, est-ce qu'il a l'air désolé, monsieur? Non, il vient avec son petit pique-nique. Il est tranquille, oui. Mais par contre, regardez, pour eux, l'heure est proche de la fin. Bientôt, mon titi, tu vas passer à la casserole. Ah, ça saute. Ça saute, ça saute. Donc, alors, attendez, il y en a plusieurs. Alors, attendez. Hop, hop. Dans l'ordre. Là, pour moi, est-ce qu'on nous parle de la reine mère, de Macroude, vous voyez, hein, qui nous mange le cerveau, hein, ils nous font la lavage de cerveau. La petite vieille qui a l'air toute gentille, mais en vrai, elle est très dangereuse, hein, regardez ce qu'elle est capable de faire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de tous ces gens qui nous lavent le cerveau, qui essayent de nous amadouer. Tant qu'on a de quoi manger, on ne se rend pas compte. Vous savez, on nous transfuse pour certains. On vous laisse encore de quoi boire. Hier laat ze uit dat we in een complete hypnose gezeten hebben gedurende duizenden jaren. Comment manger, jouer, pour que vous ne voyez pas qu'on est en train de vous manipuler. Donc la science nous manipule et nous empoisonne. Et nous, on ne se rend compte de rien, donc on mange des saletés et tout ça. Regardez, et eux sont bien contents de notre sort. Ils n'ont rien à faire de nous. Regardez, ils vont croire qu'ils veulent notre liberté, qu'on soit heureux. Regardez leur tête. Nous, ils nous ont emprisonnés dans tout ça. Ils nous ont emprisonnés et ils nous font croire qu'ils veulent nous aider. Mais vous avez l'impression que ce sont des têtes sans patoche qui ont vraiment envie de nous aider, de nous sauver? Non, leur but, c'est de nous enfermer. Donc là, on reste nous. Est-ce qu'on parle d'un nouveau confinement? J'en sais rien. Mais le lavage de cerveau, il est là. Le lavage de cerveau, il est bien là. Er komt er heel duidelijk uit he, dat ze zo gezegd doen, zoals dat soms wel helpt, maar in feite met zo gezegd de inentingen en zo willen ze ons gewoon weg naar ons graf brengen, zodat mogelijk, he, gelukkig voor ons lukt het niet zo heel goed, gelukkig dat onze lichamen sterker zijn dan dat zij waarschijnlijk verwachten. Gelukkig voor ons mensheid, in feite echte mensen, he, is het belangrijk, maar je ziet dan ook, he, dus hier, lavage de cerveau, dus hersenspoeling, dat ze constant mee bezig zijn, manipulatie, het is altijd alleen maar dat mensen, dus het komt er ook duidelijk uit. Donc, réveillez-vous les amis, pour ceux qui sont encore à moitié, wakker worden, kritisch zijn, il faut que vous bougez, parce que plus nous serons nombreux, plus vite nous apporterons, ja, le changement ensemble. Donc, samen. Je range ce jet-là, parce que c'est vrai qu'il est morbide. Il n'est pas bon. Je vois s'il nous dit encore une chose. S'il vous plaît, à travers ce jeu, qu'avez-vous d'autre à nous dire? À travers ce jeu. Oula, ça saute. Ah bah tiens, c'était pas Trumpinou qui devait nettoyer le marais? Trumpinou, ça. Bah voilà. Ils sont en train de nettoyer le marais, regardez. Je vous dis, ce sont des zombies. Ils sont foutus. Monsieur Titanic au fond de l'eau, c'est fini. Regardez comme il est bien. Mouras wordt uitgekeurd. C'est monsieur qui nous dirige. Le cabal Mouras wordt uitgekeurd. C'est terminé. Monsieur Trompinou a nettoyé le marais. On nous a réveillés. On a compris. On ne savait pas à quel point on était manipulés. In feite wilden ze ons uitroeien. Ze hebben daarvoor van alles geprobeerd. En ook natuurlijk dan die de COVID-toestand. Maar in feite hebben ze ons aan de andere kant nu compleet wakker gekregen. De demonstraties wereldwijd zijn gigantisch. Hier in België natuurlijk zijn we nog traag bezig, maar goed, toch ook 6.000 in Brussel zaterdag, ik was er ook bij. Maar ook in Nederland 230.000 vorige week, in Brazilië miljoenen en miljoenen en miljoenen. In Londen constant, in Frankrijk zijn ze met miljoenen constant elk weekend op de baan. Mensen, heel de wereld staat op, heel de wereld is niet meer akkoord. We zijn compleet wakker aan het worden. Elke dag komen er nieuwe wakkere mensen bij die het plots dan toch begrepen hebben. Zeker omdat ze nog verder gaan met ons te koeioneren, worden er natuurlijk nog meer mensen wakker. En dat is gelukkig voor ons allemaal naar de Great Awakening. Doctriné, endormi. Même pour ceux qui étaient éveillés, je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'était comme ça. Moi, je le réalise maintenant. Pourtant, j'en savais beaucoup de choses depuis 20 ans. Hein. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Hein. Yeah.
Donc, on continue à nettoyer le marché, Zone d'hypnose, cette voilà, zone, raison garder glauque. la protection, donc 30 pinous, qui est là pour protéger les enfants. Trempa d'alliance, c'est Donc, Trumpinou. c'est pour ça que je vous dis, soyez patients, parce que tout ça, c'est pour nos enfants. C'est pour ces enfants qui arrivent et qui ont des capacités encore plus développées. Et eux veulent les exterminer. Ils veulent les exterminer parce que ces enfants sont les enfants du Ja, nous. de nieuwe kinderen die, van het nieuwe tijdperk, hé, dat wordt uiteraard in de spirituele wereld ook heel veel belegd, hé, hebben heel andere krachten. We zien alles, reeds de jongere mensen van die tussen 20 tot 35 zien het al heel anders dan wij. Maar de echte kinderen die nu aankomen, hé, die volop bezig zijn, hé, die volop in opgroei zijn en de nieuwe baby's die toekomen, dat zijn allemaal van een heel andere kracht ook, van een heel andere ingesteldheid. En die gaan natuurlijk ons enorm helpen om ons dan te begeleiden, de oudere generaties, samen in feite naar de nieuwe wereld. En natuurlijk daarvoor wel de kabal en die demonen natuurlijk, via adrenochrone, via dus mishandeling enzovoort van kinderen, natuurlijk dat tegengaan. En zeker nu ook met de maskers dat ze moeten aandoen in school enzovoort, zelfs tot hele kleine kindjes toe. Dat is niet normaal, mensen. Van die kinderen lopen geen enkel gevaar. Dus dat is echt wel met een doel dat ze dat doen. Monde. Et pour eux, ces enfants sont un problème, sont un danger. Ces enfants qui arrivent, ils sont conscients de leur potentiel. C'est pas comme nous. On est un petit peu, ouais, tu crois que je peux, tu crois que je suis capable. Ben là, ces enfants-là, ils se poseront beaucoup moins de questions que nous. Ils auront un ADN. Ils auront une intelligence spirituelle beaucoup plus développée que nous. Et c'est pour ça que les crapules les veulent, et c'est pour ça que Trumpinou et l'armée et beaucoup dans plusieurs pays maintenant font tout pour sauver les enfants. Tout ça, Ze c'est doen pour alles nos enfants, om deze kinderen te comme redden, le dit eigenlijk. Trumpinou, comme le disent beaucoup maintenant. Donc, les picous, s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants toucher à cette soupe. Ja, picozen, dat is dat ze gebruikt. Dat is een beetje een codewoord ook terug voor niet gecensureerd te worden. Dat zijn de inentingen dat ze bedoelt. Laat dat absoluut dus nooit bij je kinderen binnenlaten, mensen. Allee. Die kinderen lopen geen enkel gevaar en die fuifjes en die toestanden, jongens toch, ze moeten daarmee wachten. Nee, nog een paar maanden of misschien een jaar, het is allemaal in de sakos. Ai, dus absoluut je kinderen beschermen daartegen. Al is tegen hun wil toe, ze moeten dan maar kwaad zijn op je, maar geen inenting. Je sais bien qu'il m'a beaucoup. Alors, ici Het maintenant, is niet est-ce que vous gemakkelijk voulez autre chose natuurlijk, à hein, mettre mensen, à la het is niet sonnette? gemakkelijk. Ah, Het is niet regardez, je vous gemakkelijk. dis, trempez-nous une étoile marée. C'est comme si on disait, Ja. vous inquiétez pas, on s'en occupe, on nettoie, on nettoie. Et là, vous voyez les têtes qui montent à la surface, vous commencez à voir les vrais visages. Les masques tombent. Ja, de waarheid komt boven nu overal, hè. S'il vous plaît, une autre information. Oula, ça saute. Donc, voilà, regardez. Voyez les riches, c'est fini, le peuple se réveille. Donc là, c'est ceux qui ont été picousés pour moi, ceux qui ont pris la soupe, qui sont en train de réaliser que ces riches qui ont gagné du pognon sur Organe avec son manteau de bison, il y en a beaucoup qui vont sauver là. Alors, est-ce que ça c'est Bill Gates, des gâteaux, Bill Gâteau, et voilà. Hein, en plus, ils sont en séparation. Est-ce que c'est pour ça qu'on montre deux visages différents? Je ne sais pas. Est-ce que madame, elle va nous donner des informations maintenant qu'elle a compris? Je ne sais pas, parce que c'est ce qu'on entend dire. Encore une fois, j'avais dit, je ne donnerai pas de nom, mais bon, allez, on va dire que, n'empêche que beaucoup d'informations viennent d'eux quand même. Hein. Mais en tout cas, je veux bien mettre en avant le fait que ceux qui ont pris la soupe, qui ont été déglingués, se réveillent. Dans ceux qui, vous voyez, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ont perdu beaucoup de leurs capacités. Hein. Et bien là, ils se retournent vers eux parce qu'ils vont découvrir qu'ils se sont fait avoir, qu'on leur a menti, qu'on les a manipulés. Donc là, c'est la fin pour eux. Vous voyez, on nous montre. Eerst, zoals dat we weten, gaan natuurlijk de vuile, leugenachtige media gaan natuurlijk weer proberen eerst de niet-ingeënte tegen de ingeënte, of omgekeerd de ingeënte tegen de niet-ingeënte laten in strijd komen. Dus gaan allerlei valse, leugenachtige gegevens verspreiden die ze absoluut niet waar zijn. Want het is uiteraard de ingeënte mensen die
die volgens de internationale professoren veel rapper ziek gaan komen nu. Hè, en dus die de hospitalen gaan vullen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het niet waar is. Ik hoop dat we dat niet door moeten door die zware periode. Maar goed, dus zegt, komt dat allemaal uitkomen, zegt ze. Hè, maar ja, eerst en vooral had het volgens mij eerst nog, als ze nog eens proberen ons tegen elkaar op te zetten. Want ze willen natuurlijk de mensheid, de mensen uit elkaar trekken. Want samen zijn we veel te sterk. Bien, c'est terminé. Tenez bon, mes amis, je vous en supplie, tenez bon. Alors, tu prendras un autre jeu un peu plus lumineux après. Nog een andere kaart als Comme je ça. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-là, le plus lumineux, les plus mignons. Là-bas. La dernière carte. Protection. Le bouclier. Regardez les étoiles. Protection divine. Regardez cet enfant. Pour beaucoup, il y a... Ik denk dat het belangrijk is, maar goed, dat gaat voor een aantal onder jullie misschien een stap te ver zijn. Voor mij vroeger ook, maar nu niet meer. Hé. Dus er zijn voor mij andere wezens, hé, dus die uit hogere dimensies komen. Dus buitenaardse wezens, zoals we ze noemen, of bovenaardse wezens, hé, die ondertussen de bouclier, dus rond de aarde eigenlijk, ons afschermen. Zodanig dat ja, de buitenaardse die ook op de aarde zitten, de slechte, de reptiliëns, dat we zeggen, hé, de draconiëns, hé, die samenwerken met die slechte bloedlijnen, dat die in feite ook eens uitgeroeid kunnen worden. Want die hebben natuurlijk krachten dat we anders als mens niet tegen kunnen. Dus die zijn er daar ook om ons eigenlijk te beschermen. Als er zouden bepaalde zaken gebeuren waar dat hun krachten dan nodig zijn. De protection. Donc, ça s'en vient. Ne vous inquiétez pas. Regardez, l'homme, ça arrive. Hein? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais ça vient. Protection, ça arrive pour nous. Ouais, ik denk dat de militairen zeker en vast ertussen zitten. Of dat dan nu in elk land is, dat weet ik niet, maar zeker in heel veel landen zijn de militairen. Kijk maar wat er in Guinea gebeurd is, Guinea in Afrika, dus de president die daar bijna 20 jaar zat, denk ik, die een echte kabaalpresident was natuurlijk afgezet. Hebben ze al gezien in Myanmar, dat is al vele maanden terug, is het ook het leger die ingrepen heeft. Dus ik denk stap voor stap ga je zien in feite dat het leger eigenlijk in bepaalde landen reeds start in feite als pilootprojecten, waar dat dan de grotere landen later ja, gaan volgen in feite. Je fais la place. Ici, maintenant, s'il vous plaît, qu'avez-vous de très donné comme information à ceux qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît. Hélène, tu as voulu sauter. Clairvoyance. Ouais, des deux côtés. Hein. Je vous dis, les dons pour développer chez vous, les utiliser pour aider. Vous devez écouter vos intuitions pour ceux qui sentent qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour elles, peut-être des endroits que vous devez quitter, des personnes que vous devez quitter. Mais ça s'accentue, on va avoir de plus en plus d'intuitions. Het is duidelijk, onze krachten gaan zich meer en meer ontwikkelen in de komende maanden en jaren, waar dat we elkaar intuïtief gaan begrijpen, waar dat we inderdaad bepaalde mensen helderziend, helderhorend, heldervoelend. Zaken aanvoelen automatisch. Dus ja, echt onze krachten zullen enorm toenemen. Omdat we ook natuurlijk gezonder gaan eten. Het water zal gezond gemaakt worden. Dus die fluor gaat daaruit gaan. Ons derde oog zal geactiveerd worden. Dus alles zal helpen in feite in de richting van meer krachten. En ja, dus naar de toekomst toe. On les dérange à cause de ça, à cause de notre puissance. La roue tourne, les amitiés, la protection, vous voyez? On va se regrouper, on va s'entraider. Vraiment, dites-vous que ça y est, ça arrive. Même l'argent qu'ils nous ont pris va nous revenir. Regardez, ils sont remplis de lingots d'or, le Vatican, vous le savez, hein. Je vais essayer de ne pas dire trop de trucs, ce serait dommage que ma chaîne saute. C'est vraiment pour ceux qui veulent être sûrs de toujours pouvoir me suivre au cas où un jour je me fais éjecter de YouTube. Je vous mettrai les liens de Crowdbunker
et de bah, VK, alors Odyssée, ça marche pas trop. Je sais plus ce que j'ai d'autre, parce qu'Aïssa m'a aidé ce matin, c'est encore tout frais dans ma tête, mais pour qu'on puisse rester en contact. Hein. Donc vous voyez, nous devons, nous, être solidaires entre nous. Eux veulent nous diviser. Donc là, la protection divine, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était pour nous permettre de nous regrouper, de découvrir nos vrais pouvoirs, qui nous sommes réellement. Et donc, ça y est, la roue tourne. Regardez le soleil, les étoiles. Moi, franchement, je ne suis pas inquiète pour nous. Pas du tout, pas du tout. Ça saute, ça saute, ça saute. Donc, pour la santé de nos enfants, les femmes vont se battre. Vous voyez, ça revient. Gardez vos enfants à la maison si vous le pouvez. Et là, pour certains, donc, est-ce qu'il y en a qui vont partir? Mais en tout cas, ça va être effet boomerang pour beaucoup ce qui se passe. Alors, l'étranger, est-ce qu'il y en a qui vont partir? Est-ce qu'on parle de tout le monde, même de l'étranger? Est-ce qu'ils veulent nous dire pour tout le monde, si vous pouvez, pour la santé de vos enfants, vous les mères, ceux qui le peuvent, bien sûr, hein, je comprends pour eux. Gardez vos enfants parce que là, l'effet boomerang revient. L'effet boomerang pour beaucoup ce qui se. Dat ze nu uitkomt, en ik vind dat ook wel, als je inderdaad zou aanvoelen dat de kinderen op school eigenlijk in gevaar komen, bijvoorbeeld dat ze zouden proberen in te enten zonder dat je erbij bent, of zonder dat je uiteindelijk goedkeuring voor je hebt, of ook die mondmasker constant, waar je kinderen eigenlijk ziek van worden, of ook het feit dat ze geen sociaal contact kunnen hebben normaal met de andere kinderen. Is het inderdaad misschien aangewezen voor te kijken, eigenlijk, voor cellen te maken, hé, dus verbindingen met andere ouders, om bijvoorbeeld kijken voor thuisonderwijs te doen, zodanig dat je kinderen niet meer naar de gewone school gaan, maar dat je thuisonderwijs doet, misschien met een leraar dat je inhuurt, die momenteel geen werk heeft of zo, of andere manieren die wettelijk kunnen, dat weet ik nu niet allemaal, maar het zou belangrijk kunnen zijn als ouder dat je je verbindt met elkaar. En zo kijkt voor je kinderen toch voor een aantal maanden of een aantal tijd, hey, en dit zal niet zo heel lang zijn, ze op een andere manier onderwijs geeft. À nos enfants. Vous vous rappelez dans Moïse, ils sont en train de mettre ça dans la tête. Dans Moïse, ils ont voulu exterminer les premiers fils de toutes les maisons. Et finalement, c'est chez eux qu'il y a eu les pertes. Est-ce qu'on est en train de nous dire, dans le monde entier, si vous pouvez garder vos enfants, protégez-les? On vous fait croire qu'on est bienveillant. Là, le monsieur, il est tout gentil. Il laisse l'enfant jouer avec son stéthoscope. Fais-moi confiance, petite. Tu sais, ta maman et ton papa ne savent pas ce qui est bon pour toi. Parce que si tu ne te fais pas bigouser, ben, tu vas peut-être les zigouiller, tes parents. Donc, fais-moi confiance. Moi, ce que je te dis, c'est bon pour toi. Non, gardez vos enfants à la maison si vous le pouvez. Op de Parce pas que là, voor de dans le mensen die monde zo gezegd entier, zeer vriendelijk je zijn, vous dis, ça dokters of va andere, bouger. op de Effet pas. boomerang. Là, c'est vraiment. Je vais garder la carte de boomerang pour voir ce qu'on voulait nous dire. Attendez. Hop. Tac, tac, tac. Pour la carte boomerang. Pour moi, ça va leur revenir dans la tronche à ce qu'ils font en ce moment. On s'en doute, hein, de toute façon. Ja, het komt allemaal terug in hun gezicht van de Je ne sais pas si kabal. vous Het is entendrez. een boomerang die allemaal gaat terugkomen naar hun. Je ne sais pas si vous entendrez dans la vidéo. Doucement, doucement. Il sera me donner son boomerang. Son boomerang. Niets geven naar boemerang. Alors, miroir magnétique et la loi, ben voilà. C'est la plus belle carte, miroir magnétique. Donc, est-ce qu'on veut nous parler d'un effet miroir? Ce qu'ils nous envoient, ils vont se le reprendre. On les dérange, mais on reflète chez eux Ja, ce qu'ils. kom dan maar Vous terug êtes naar où, René, en René? hun gezicht, Même allemaal si c'est dur en ce vol moment, bak. on est quand même chanceux parce qu'on a compris comment fonctionne l'amour. On a compris comment fonctionne la fraternité. Et donc, par effet miroir, on les dérange. Et donc, là, c'est la carte de la chance, si je ne me trompe pas dans le jeu. Donc, la loi arrive. Vous voyez, l'équilibre va revenir pour nous, pour le monde. La loi revient pour nous. Donc, pour moi, le miroir magique, magnétique, pour moi, c'est vraiment pour dire que. La loi, dat zal de militaire tribunaal zijn die, ja, die al die mensen gaan berechten en die gaan zorgen dat schoongemaakt wordt. Le boomerang leur revient en pleine tronche. C'est la loi divine.
Oui. Je ne serais pas étonnée hein, qu'il y ait encore des inondations, voilà, vous savez, hein, des tornades, des tsunamis, je ne sais pas. Ici, maintenant. Ja, dat is belangrijk misschien voor de kerantaal, dus dat alles eigenlijk allemaal via HARP en andere weersystemen eigenlijk, wat dat we hier meegemaakt hebben in de zomer en zo, ja, dan ook terug de chemtrails. Ik heb het hier ook gezien boven mijn eigen huis hier. Ongelooflijk mensen, wat dat soms eigenlijk kan doen. Après, ça peut être aussi, ça va au niveau émotionnel, hein, il y aura beaucoup de larmes aussi. Ici, maintenant, à travers le jeu de l'oracle, je vous mets donc sa page, sa chaîne YouTube, l'oracle. Donc, je vais utiliser ces deux jeux, celui-là après. Et là, on va commencer par celui-là. On va voir ce qu'il nous donne, s'il vous plaît, à travers ce jeu. Voilà. Donc, ben oui, il va y avoir du sport. Alors, est-ce qu'il va se passer des trucs à travers le sport? Est-ce qu'on aura des informations à travers le sport? Ou est-ce que nous devons faire du sport pour avoir une bonne santé? Sortir dans la Ja, nature, voyez, de sowieso, la hé. verdure. Sport doen is altijd goed, hé. Sortir pour vous savez, le corps. Vous savez, comment on dit là? Ça, vous savez, voilà. Wat dat er ook volgens mij had, wat dat er ook uitkomt met de sport, dat er heel veel zaken uitkomen, dat ook de sport eigenlijk compleet gemanipuleerd is, hé. En compleet eigenlijk gecorrumpeerd is, eigenlijk. Zeker op de hogere niveaus, dat gaat ook allemaal blootkomen, die mensen. Daardoor komt al volledig bloed in de USA natuurlijk, in de hele hoge niveaus van basketbal, van baseball en noem maar op. Hé. Mensen willen daar minder en minder gaan kijken. Maar ook bij ons, zeg maar gerust, op de hogere niveaus van voetbal en basketbal en noem maar op, kan ik je garanderen dat er ook dingen gaan bovenkomen waar we van gaan verschieten. Voilà, les vitamines pour bien avoir une bonne santé, tout ça. Voilà, si vous voulez savoir ce que je veux dire, c'est ça, on va dire en gros. Hein? Il y a tous ces mots. Bon, c'est pas la première fois. Ici et maintenant, s'il vous plaît, que voulez-vous dire à travers ce jeu à ceux qui regarderont cette vidéo? Hop! LGBT, ah oh, bah alors du foot, LGBT, il va y avoir plein de choses à leur sujet. Oui, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ont envie d'envoyer nos enfants dans des nouvelles directions, des nouvelles croyances. Même si je respecte l'avis de chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, ça je l'ai toujours dit. Mais je pense qu'on nous fait comprendre qu'ils veulent nous pousser à avoir une nouvelle norme de société. Après, chacun respecte chacun. Moi, je dirais ça. Je pense qu'on va entendre beaucoup parler de toutes ces choses. Hein. S'il vous plaît, ici et maintenant. Oh là, oh là, oh là, oh là, Ouh oh là là. là. Donc, la matrice qui va s'écrouler, est-ce qu'on nous dit que ça va s'écrouler grâce à nous qui nous tenons des informations à travers les réseaux sociaux? Est-ce que ça vient de la matrice? Est-ce que ça veut dire que tes réseaux sociaux vont se casser la figure? Je ne sais pas. Est-ce qu'on nous dit, parce que vous voyez, on est. Ouais, on dirait, ça fait penser, vous savez, au truc chinois, qu'on soit surveillé, reconnaissance faciale. Dans cette matrice, Ik comment. denk verschillende dingen dat ze zegt zullen gebeuren. De matrix waar we al duizenden jaren in zitten, is letterlijk in elkaar aan het stuiken. En gaat binnenkort ja, officieel ook volledig in elkaar stuiken. De sociale media die er nu zijn, ja, worden rechtszaken tegengedaan. Ook een hele grote class action suit in Amerika door Trump en ik weet niet hoeveel, honderdduizenden mensen die ondertussen aangesloten zijn tegen de Facebook, de Twitters en noem ze maar op. Hé. Dus daar, die zullen enorme kloppen krijgen, maar achteraf natuurlijk via tribunaals gaan ze ook. Dus wellicht zal dat failliet gaan, gaat dat kapot gaan of gaat dat misschien compleet moeten hervormd worden. Dus het is allemaal juist wat ze zegt via kaarten. On veut nous. Voilà, on peut avoir plusieurs interprétations. Une fois qu'on a des informations, on peut avoir plusieurs interprétations. Vous pouvez avoir les vôtres. On va voir ce qui complète avec ça. Population ville, donc je pense on est en train de nous dire, regardez où on veut vous emmener. LGBT, voilà, votre nouvelle façon de voir le monde. Tout le moment où on endort toutes vos capacités parapsychiques, laissez-vous manipuler et vous verrez, on va vous envoyer dans un monde super à la mode, mais vous serez des prisonniers. Désolé. Ceux-là sont revenus dans le jeu. Waouh!
bien. Alors, donc, tac, tac, tac. Il va y avoir les vérités, les révélations, ça arrive. Alors, attendez, je mets ça comme ça. Parce que là, il y avait un contrôle psychique mental par rapport à ces histoires de, voilà, hein, de revue. Maintenant, il faut être en bonne santé pour aller à l'hôpital. Oui, pourquoi pas, hein, d'accord. Donc, les vérités, les révélations arrivent. Nou, de realiteit is dat, dat er ja, wereldwijd heel veel mensen nu momenteel niet durven, zeker in de USA, niet durven naar het hospitaal gaan, omdat ze, ja, ze maar medicatie geven daar en zo, en of ja, een ventilator zetten. Hey. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf de COVID gehad, een van allee, ja, wat dat ze dan noemden, de COVID. Maar goed, ja, ik had ook een longontsteking en zo verder, hey, opgenomen in het hospitaal. Ik ben hier in Veurne. Enorm, enorm goed opgevangen. Ik wil dat ook een keer officieel zeggen. Echt een dank u wel aan al die verpleegsters en verplegers en dokters die geholpen hebben. Fantastisch eigenlijk hoe dat ik opgevangen geweest ben. Dus dat wilde ik toch ook een keer beter wel meegeven. Dat zeker bepaalde hospitalen toch goed in werken. À ce niveau-là, et du coup, la loi. Et voyez toujours, hein, je vous dis que beaucoup de choses viendront des États-Unis, je l'ai déjà dit dans pas mal de tirages. Beaucoup de choses viendront des États-Unis. Donc, tout ce qu'ils sont en train de nous faire au niveau de notre ADN, le fait qu'ils essayent de nous manipuler, de nous transformer, et donc de créer un nouveau monde avec reconnaissance faciale et une fausse liberté. Hein. Ze zeggen, heel veel zaken zullen van de USA komen. Ik ben er volledig mee akkoord. Dus iedereen wacht op de ontploffing daar in feite, met de audits en met dan de resultatenrekening die gaan elk jaar verplicht bovenkomen tussen 1 en 15 oktober. Wellicht daaruit gevolgd een zeer zware beurscrash. Hey, ondertussen, ja, de mensen die ingeënt zijn, die gaan problemen krijgen met immuunstormen binnen hun lichaam. En hopelijk zijn onze lichamen sterk genoeg of kunnen ze geholpen worden. Maar dat soort zaken zullen allemaal samenkomen in een culminatie. En dus ja, vanuit USA en dan verder wereldwijd zal die tsunami zijn werk doen eigenlijk. On a bien compris. Dans cette matrice, voilà. Là, on est en train de faire comprendre, regardez, on veut vous emmener. Réveillez-vous, réveillez-vous, les révélations arrivent. Attendez-vous à ce que les choses viennent. Donc, air, atmosphère. Oui, cette année, vous êtes nombreux à m'avoir dit que, et c'est vrai, moi aussi, je constate, parce que c'était ma première fois avec mon mari, qu'on faisait un jardin, qu'on faisait pousser nos légumes et nos fruits et tout, qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bien poussé cette année, ou ça n'a pas bien poussé, ou c'était pas bon. Oh, bien, c'était tout petit. Ben voilà, air, atmosphère. Ben, moi, je pense qu'ils nous ont pas mal empoisonné notre culture. Et donc, c'est pour ça que les révélations arrivent. Manipulatie. Dites-vous que la justice arrive aussi. Hein. Yeah. Les révélations, ils ont manipulé l'ADN des plantes. Mais vraiment à tous les niveaux. Yeah, Monsanto, au Maroc. C'est terrible. Les crapules. C'est pas beau, vilain. Donc, pour chaque pays, chaque territoire, de toute façon, maintenant, les monstres ont perdu. Ah, attendez. Là, maintenant, le peuple se lève. Pour moi, cette aiguille, c'est pour dire qu'on va être unis, une aiguille pour le monde. Nous sommes en train de nous lever, de nous réveiller. Merci à vous, frères et sœurs. Ces monstres, c'est terminé. Yeah. La partie est finie. De cabal monstres worden opgeruimd. Merci aux cartes de Laura, ils sont vraiment super, hein, ces cartes. Donc, voyez l'école. Monstre école, hein, pourquoi pas. Hein. Après, on peut continuer. Hein. La protection. Il protège les enfants des monstres. Hop, hop, hop. Et donc, c'est quoi qui vient après? Ah bah, LGBT. Bah oui, parce qu'à l'école, on est en train d'apprendre. On éloigne nos enfants de leur part divine, hein, ces monstres-là. Éloigne nos enfants de leur part divine. Je kijk tout dat ons onderwijs werkt. Het is niet... Ja, dan begrijp je dat we daar volledig gaan van afstappen. Pour les rapprocher d'une nouvelle façon de fonctionner. Donc, théorie du complot, ce que je dis, à votre avis. Donc, moi, pour moi, on va bientôt nous mettre l'histoire de l'écologie, de tout ça. Hein, c'est, mais bien sûr, tout ça, c'est des théories du complot. On essaie de nous emmerder avec, ah, la Sarah dit jamais le gros mot, mais quand elle n'est pas contente, avec notre ADN, avec des conneries. Avec l'atmosphère, avec les chanterelles,
avec l'alimentation qu'on nous empoisonne, avec une nouvelle façon de fonctionner qui fait que maintenant nos enfants vont être un peu paumés. Et voilà, hein, même si on doit respecter la vie de chacun, on doit vraiment respecter la vie de chacun, justement. Yeah. Donc, bah écoutez, j'arrête avec ce jeu, j'en prends. Ieder leven moet gerespecteerd worden. Dus ook heel die situatie van abortus had ook moeten er bekeken worden. Of in elk geval had er moeten, als inderdaad een vrouw bijvoorbeeld door omstandigheden, een verkrachting of noem maar op, in feite, ja, met een situatie zit die niet leefbaar is, had de maatschappij moeten een opvang zorgen, hé, dat er andere mensen dan dat kindje kunnen overnemen, adopteren, die misschien geen kindjes kunnen hebben. Maar abortus, denk ik, gaat compleet moeten herbekeken worden, mensen. Compleet herbekeken. Want dat zijn levende wezens, hé, maar dat er dan ook nog een keer bewezen, soms ja, bepaalde, hoe kun je gaan stamelen, als ze bepaalde laboratoriumtesten en andere dingen op doen. Ik heb daar zaken van gezien. Dat is dus zeer erg, mensen. Hé. Maar dat zijn levende wezens dat je hoe dan ook doet sterven, waar dat uiteindelijk niet nodig was of niet klopt. Het is een levend wezen dat je doodt. Merci à Jésus. Un bisou. Merci, merci. Merci le grand frère. Merci à lui. Les révélations arrivent, les révélations arrivent. Alles komt public. Het zal gaan ontploffen, mensen. L'autre jeu de cartes que Laura m'a gentiment offert, je la remercie encore. En première carte en dos de deck, pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Nouveau monde pour moi, nouvelle façon de voir les choses. On nous éclaire, on nous montre les révélations, on met en lumière. Ja, goed, dan zei je, we zijn uit de oude wereld, we zitten op een hele lange brug, mensen. Hey, de wakkeren lopen al vooraf, de anderen zullen volgen, hopelijk, zoveel mogelijk. En we zien al die nieuwe wereld, hey, maar we zijn, godverdorie, ja, we zitten er nog een beetje ver vanaf. Oei, oei, we gaan dat allemaal moeten herbouwen, want dat ziet er eigenlijk, ja, nog zeer maagdelijk uit, maar zoveel te beter, mensen. Want dat is wat we nodig hebben om uiteindelijk de zaken her te bekijken samen, her na te denken, hey, met onze krachten dat we gaan herwinnen en we gaan dat heel anders opbouwen. Qui était caché depuis longtemps. Ici, maintenant, s'il vous plaît, à travers ce jeu, dites-nous ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît. À travers ce jeu, s'il vous plaît. Alors, spiritualité, espoir, libération. Waouh! Ben oui, on est en pleine transformation. Tout ce qui se passe depuis presque deux ans, c'était pour notre transformation, pour que nous comprenions que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des esprits dans des corps humains. Et donc, notre transformation arrive. Alors, amour universel, fraternité, solidarité. Alors pour moi, on dit comme si on parlait de tous les peuples, vous voyez. Pour ce qu'on donne, on parle d'incarnation, mais moi, pour moi, je pense que vous êtes prêts à entendre que c'est des vies en parallèle, vous voyez, des vies en parallèle d'autres mondes. Nous sommes prêts à nous reconnecter aux autres mondes, aux autres vies, pour ce nouveau monde en pleine transformation, en pleine évolution. Nous allons devoir nous reconnecter. On va inderdaad verbinden met andere parallèle. Parallele werelden, parallele, ja, hoe moet je het gaan noemen, mensen, nee. Maar hoe dan ook, ja, zijn we er mee verbonden volgens mij, maar gaan we het eigenlijk ook heel bewust beleven eigenlijk, dat we ook met andere wezens gaan omgaan, buitenaardse wezens die finaal klaar zijn om te komen, maar we moeten er eerst klaar voor zijn en dan gaan ze volle bak aankomen. Zijn maar gerust, het is nog allemaal voor ons ook, we gaan het nog allemaal meemaken. Des autres vies en parallèle pour pouvoir avancer dans ce monde. Donc, en passant par la créativité. Créatif, c'est le jaune. On va dire créatif, vous disiez, on va nous mettre au bout. En retrouvant notre créativité, parce qu'à l'école, on ne nous laissait pas penser par nous-mêmes, créer par nous-mêmes, fabriquer par nous-mêmes. Il va falloir que là, on retrouve tout ça. Je vois qu'on nous donne des attendus. Donc, transport, déplacement,
Transport, déplacement, je vais voir ce qu'ils veulent dire à travers ça. Est-ce qu'on va faire une nouvelle voie? Parce que c'est rouge, c'est l'ancrage. Oui, rouge comme du sang. Est-ce que, ouais, ça veut dire qu'il y aura des pertes, il y aura des gens vont rentrer à la maison pour qu'on puisse enfin trouver cette nouvelle voie, ce nouveau destin, ce nouveau chemin. Transport, déplacement. Est-ce que nous allons découvrir de nouvelles façons de bouger? Pourquoi pas? Moi, je serais pas étonnée hein, que bientôt nous disent qu'on pouvait même nous téléporter ou des nouvelles façons de nous déplacer. Vous savez, des vaisseaux spatiaux, qu'en vrai, c'était pour tout le monde, mais tout ça nous était caché. C'est peut-être ça. Alors, là, le papillon s'envole. Peut-être qu'on va découvrir que beaucoup avaient créé, de par leur créativité, leur imagination, des façons de bouger. Ik denk dat we zo op niveau van transport, ik denk dat we gaan naar aardmagnetisme, dus de Nikola Tesla-systemen die ja, gesupprimeerd geweest zijn, die dus ergens geblokkeerd zitten, die volle bak naar ons gaan komen en die dan ook, ja, eenmaal dat de kabaal weg is, die dat tegengehouden hebben om voor meer geld uit benzine en dergelijke en al die zaken te gaan halen, dat gaat niet meer nodig zijn. Nee, we gaan gewoon gaan voor het beste die goed is voor de aarde, maar ook goed is voor ons. En ik denk dat we heel andere manieren van transport gaan hebben, dat we zelfs boven de grond gaan zweven in feite met aardmagnetisme. En ja, dat we eigenlijk wegen misschien ook niet meer gaan nodig hebben, dat het heel anders gaat bestuurd worden. Dus transport, het kan ook zien dat ze misschien even ziet in kort ook de transporteurs, de camionneurs die nu ook het weer volledig alles blokkeren in Australië, ook de Canadees-USA grens blokkeren. Ja, dat er daar misschien iets te wachten staat in de komende weken. We zullen zien, maar het kan veel willen zeggen natuurlijk, in transport. Différentes. Là, ça saute. Ah, création plastique et visuelle sculpture, vous voyez? Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Hein. On va bientôt découvrir qu'il y a eu beaucoup de créations qui nous étaient cachées. Ja, maar de Je patenten pense que c'est ça. die Hein. allemaal Le geblokkeerd rejet, zitten, ja. c'est parce qu'on a création auditive et tout ça. Et vous voyez, c'est lumineux. Hein. C'est très lumineux. C'est le monde galactique. Qui nous demande, ah, donc le rouge, on va le voir comme l'ancrage, d'accepter notre vie sur Terre parce que pour beaucoup, vous êtes venus utiliser votre créativité, votre potentiel que vous avez depuis d'autres vies, des vies en parallèle, des connaissances, pour créer peut-être de nouvelles façons de vivre, de bouger, sans utiliser les énergies fossiles, vous savez, sans embêter notre pauvre planète Terre en lui prenant son sang, son pétrole. J'aime bien ce tirage, je trouve très sympathique. Être galactique, extraterrestre, positif, vous voyez, j'avais raison. C'est bien eux Ze zijn er al, ze qui zijn aan het vont wachten nous aider mensen van de à aarde commencer om te à komen. créer ce De nouveau goeie, monde, natuurlijk. cette nouvelle façon Niet de voor schrik van te vivre, hebben, die mensen. de bouger, je crois qu'on a quelque chose de merveilleux qui vient. On est vraiment en pleine transformation grâce à eux. J'ai eu ça dans le dernier tirage de cartes que je vous ai fait. On avait pratiquement les mêmes messages. Hein. Donc, connexion à nos anciens nous, à nos autres nous dans les autres mondes, pour pouvoir avancer dans cette nouvelle 5D qui s'en vient. Si, encore une. Ben voilà, regardez. À plein niveau, on va fonctionner différemment. On va soigner différemment. On va fonctionner différemment grâce à eux. Attendez. Dat is duidelijk met al de nieuwe zaken die ook gepatenteerd waren, dus de alle soorten geneesmiddelen die dat ze tegenhouden en tegenhouden hebben. Andere middelen dat we gaan hebben, misschien medbeds, wat er van gesproken wordt al heel lang. Ook magnetisme en andere zaken dat we gaan gebruiken voor in feite de mensen te genezen. Hey, aan de bron natuurlijk, niet met petroleummedicatie dat we nu al 100 jaar gebruiken, maar de echte zaken terug natuurlijk. Hey, dus dat Dat ze dat naar voren L'endroit, brengt. vous le voyez dans l'image, tac, 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 dans la vidéo, tac, tac. Donc, grâce à ce que nous avons acquis, grâce à ce qu'ils vont nous apprendre, on est en train de développer nos capacités pour créer ce nouveau monde. Les messages sont merveilleux, j'adore.
J'adore. Concours. Franchement, j'adore le jeu de cartes. Dat is de reden waarom dat ik dat Laura, filmpje ook naar voren breng, elle a omdat une ik het ook belle créativité. Hein. Voilà, heel goed vind. elle a une Hele belle créativité. positieve Regardez, boodschappen les ook, diplomaties mensen. régler les conflits. Ben oui. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde en paix, Ja, un monde vrede. d'amour, un monde de fraternité. Ja. Meer moet dat niet zijn. Génial, Meer moet dat niet zijn, mensen. je Verbinden met prends elkaar. Elkaar graag zien. je prends celui-là, celui de ma copine Céline. Ah. On a des portes ouvertes clés. Ouais. Nous avons la clé pour cette destinée, pour ce nouveau monde. Allez, dernière carte pour vous, et ensuite je vous laisse tranquille. La petite note de gaieté, d'espoir, pour mes amis qui sont là, derrière leur écran, à écouter cette vidéo. Welke hoop mogen we hebben, espoir? Et welke hoop Savez-vous mogen we comment hebben, ça se fait? dan Alors, kijk ze nu voor. hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Donc, le trahi, la trahison, le mensonge. Oula, c'est comme je disais, la roue tourne, vous voyez, ça tournait comme ça, la roue tourne pour eux. Au-dessus de cette carte, au-dessus de cette carte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, ça Ja. saute. Donc, eh ben voilà, regardez. Là, c'est vraiment très, très explicite. Trahison, mensonge, ces Kabal. crapules nous ont bien eu. Ja. Mais Het grâce à duurde ça, duizenden jaren. sacré le soutien, les masques sont tombés. On comprend maintenant la supercherie, les Ja. secrets. Alles komt boven. C'est vraiment, ça ne peut pas être plus explicite, hein. Je vous mets dans cet ordre-là. Et donc, regardez ce que ça apporte. Éclaircissement, Non. soleil, Ja, alles komt boven, alles komt klaar voor arrangement. ons. Ja. Je vais arrêter là, hein. C'est trop beau. J'ai rien à rajouter, c'est Ja. parfait. Ce tirage est magnifique. Merci, merci, merci à nos êtres galactiques, à nos familles galactiques respectives. Voilà. Je vais un petit... Oh, encore, attendez, encore une. Attendez. C'est Ce sont les grappig. deux anges. C'est Allez, grappig, j'aime bien faire ça, merci. vous savez, comme les secrétaires qui fouillent dans les fichiers. Allez, je vais prendre une petite carte au hasard. Hop, j'attrape celle-là. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je vous ai dit, nos capacités parapsychiques vont continuer à se développer. Ils ont peur de nous parce qu'on est en train de s'éveiller et que les enfants qui arrivent, les enfants du nouveau monde, ont ça de très développé, c'est pour eux, c'est acquis. Voilà les amis, le petit message de la fin, je vous laisse lire vous-même. Ding. Allez, plein de bisous. Dank u wel, Nasser. Het was fantastisch. Eerlijk gezegd, ik heb dat nu gedaan omdat ik ook natuurlijk even. Ten eerste wilde ik Nasera introduceren. Het is natuurlijk wel in het Frans, maar goed, Tarot Janine is in het Engels. Ilona soms in het Nederlands, soms in het Engels. Dus mijn opinies daarbij en mijn extra commentaar is altijd in het Nederlands. Dus het kan voor iedereen goed zijn, maar ook voor onze vrienden, francofonen of mensen die Frans spreken, vind ik het interessant. Het zijn positieve boodschappen. Het is een dametje die heel positief overkomt. He. Ze lacht veel, ze is grappig. Goed, ja, houdt ervan of houdt er niet van. Dat is dan iets dat jullie zelf uitmaken. Dank u wel, mensen. Vergeet het duimpje niet als je ervan gehouden hebt. Vergeet niet de subscriptie te doen, abonnement en ook de notificatiebalken aanduiden, dat je altijd ingelicht wordt van onze filmpjes. Tot het volgende filmpje, mensen. En een grote dank, zoals altijd. Dag.